vivant, nous voyant ici, s'exprimer toutes les émotions. Je me nomme Agokeng Mugode.
Aujourd'hui, j'ai été élu Miss Master à l'UNIS 2023. Je suis très content d'être élu ce soir et je remercie l'association et papa pour tout ce qu'ils ont fait pour nous. Merci. Comment expliquer un peu Je me nomme Abokeng Gordon. J'ai été élu master à l'UNIS 2023 ce soir. Et je suis très content de cet exploit ce soir parce que je venais à la base m'amuser, mais à ma grande surprise, j'ai été élu master. Et votre programme que vous avez proposé, vous allez également le suivre? Je compte bien le suivre. Nous espérons. Nous espérons. Nadia! Bon, salut madame. Pouvez-vous vous présenter? Moi, c'est Don Sandra James, la fille à Windows 2023, comme vous voyez. Excusez-moi. Oui, comment est-ce que vous avez fait pour être Miss? Est-ce que vous êtes venu vous balader? Est-ce que vous avez travaillé acharnement? Je suis venue travailler pour les personnes à Windows. Non, comment est-ce que vous avez fait pour devenir Miss? Est-ce que vous baladiez? Vous avez entendu qu'il y avait un concours, vous êtes présenté? Quand j'étais petite, je n'avais pas l'opportunité d'avoir un entourage des Abinos, donc c'était moi seule. Donc je suis partie sur Facebook, j'ai cherché Abinos au Cameroun. J'ai écrit à la maman Wafo, je l'ai dit qu'il y a une plateforme pour rassembler les Abinos au Cameroun. Elle a dit oui, mais elle fait ça par les Miss Abinos. Donc en fait, pour moi, ce n'était pas comme une compétition, c'était un rassemblement du monde. C'était que je rencontrais mes frères et sœurs. Donc, en tant que réseau, je ne voyais pas ça, même maintenant, je ne vois pas ça comme une compétition, c'est un rassemblement du monde. Et votre projet, vous pouvez nous en dire un peu plus? Est-ce que vous allez également le suivre? Mon projet, qui est d'éduquer les mamans albinos. Parce que dans notre société aujourd'hui, on voit qu'il y a certaines mamans albinos qui abandonnent les bébés albinos à l'hôpital où ils comprennent les stigmatisations que les gens reçoivent. Donc je vais faire en créer les séminaires qui vont les rassembler, qui vont leur donner les informations, donner les craintes qui vont protéger les bébés du soleil, du cancer, de la et aussi qui va les éduquer à comment accepter les bébés. Je vous remercie. Merci. Bon, j'adore les dons. Oui, je suis Marie-Madeleine Wafo. Je suis Marie-Madeleine Wafo, promotrice de l'élection Miss et Master Abino du Cameroun, que nous sommes en train de faire ce soir à l'Institut français de Yaoundé. La cérémonie s'est bien déroulée. La cérémonie s'est très bien déroulée. C'était super. Il y avait l'élection de Miss Junior, Senior et Junior. Et ça fait boum. Les gens qui ont mérité. On vous voit à présent. On a mangé du poulet, des poissons. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à se supporter. On vous voit distribuer des cadeaux. Oui, nous allons distribuer des crèmes solaires, des produits pour désinfecter les mains. Et il y a aussi les parapluies que le temps nous a pas permis de distribuer. Pour l'édition 2024, qu'est-ce que vous envoyez acheter? Oh, ça c'est la loi. Donc vous donnez rendez-vous à tous les Camerounais, à tous ceux qui vont... Rendez-vous à tous les Camerounais le 11 juin 2024, parce que je connais déjà la date. Nous vous remercions. Salut monsieur. On peut aller. Très bien. Alors, merci pour cette interview. Je suis le docteur Dufourcq, le conseiller régional santé à l'ambassade de France. Et vous m'interrogez, vous me posez des questions sur la soirée que nous avons organisée samedi dernier, 10 juin, avec les albinos, en collaboration avec l'Association des femmes albinos du Cameroun, la FAC, qui est une association avec laquelle... ici à l'ambassade, nous travaillons depuis 2 ans.
Alors, l'albinisme, vous le savez, bon, c'est une maladie relativement... Enfin, c'est pas une maladie, c'est une... Oui, c'est une... C'est un état. C'est un état, hein, relativement fréquent au Cameroun. Hein, on estime qu'il y a à peu près 6, 7 000, enfin, plusieurs milliers, en tout cas plusieurs milliers d'albinos ici au Cameroun, avec comme particularité... cet état, c'est un état qui a la particularité d'être à transmission génétique. Hein? C'est-à-dire qu'il faut des prédispositions du père et de la mère. C'est ça. Donc on peut avoir deux parents parfaitement noirs de peau, avec donc un enfant albinos, hein, qui, s'il se marie, peut avoir parfaitement des enfants noirs de peau. Hein? C'est simplement des... Je dirais des gènes qui s'assemblent ou qui ne s'assemblent pas. Okay. Hein? Ça fait voilà. Que dans une même famille, on peut avoir des enfants albinos et des enfants complètement noirs. Complètement. Hein? Et c'est d'ailleurs très souvent le cas. Quoi. Oui. Hein? Donc, ça n'a rien de mystérieux, c'est parfaitement connu. Hein? Alors, il y a des albinismes qui sont, de gravité différente. Hein? Il y a des albinos, par exemple, qui n'ont que la peau claire, mais qui n'ont pas les problèmes oculaires, par exemple. Mm-hmm. Hein? Et puis, il y a les albinos qui ont vraiment l'albinisme total. Il faut savoir que ce n'est pas une maladie spécifique du tout à l'Afrique. Hein? En Europe, il y a des blancs, comme moi, qui sont albinos. Mm-hmm. Hein? Vous savez que nous, tous les peuples de la Terre, hein, en Asie, en Europe, en Afrique, nous avons des mélanocytes, oui. Hein, c'est-à-dire des cellules qui font la couleur noire. Oui. Hein. Ce qui nous diffère, vous et moi, c'est que la disposition de ces mélanocytes n'est pas la même dans notre peau. C'est une disposition qui est génétiquement acquise. Hein. Les albinos, eux, ils n'en ont pas. C'est vraiment une absence de formation de mélanine. Okay. Hein, voilà. Donc ça se voit aussi en Europe, hein, et avec les mêmes signes et avec les mêmes problèmes. Quels sont les problèmes? C'est pas tellement la peau blanche, hein, ça se protège. Bon, c'est surtout les problèmes oculaires. Hein, ils ont des problèmes oculaires extrêmement graves qui ont été bien expliqués par une ophtalmologue pendant la soirée, hein, qui entraîne vraiment des baisses de l'acuité visuelle, hein, très importantes. Et ce sont souvent malheureusement des enfants qui sont obligés, pour apprendre à lire, de se mettre comme ça pour pouvoir... lire, ou même quelquefois si vous avez eu des albinos dans votre classe, quelquefois ils sont sur le tableau, sur quasiment, le tableau pour, lire, hein, oui. Pour lire. Ces troubles oculaires ne sont pas guérissables complètement, mais par contre on peut les aider. Et plus on les aide tôt dans l'enfance, mieux ensuite ils s'adaptent. C'est pour ça que nous avons cette année décidé, en plus de la cérémonie de désignation de Miss Albinos, donc en plus de la cérémonie un petit peu culturelle que nous avons organisée avec eux, nous avons décidé cette année à l'ambassade de participer à une action de santé en donnant à des enfants et même à des quelquefois vous avez pu voir peut-être sur la les 45 enfants qui ont eu des lunettes, des oui. petits enfants. Il y avait des tout petits, oui, il y avait des moyens petits. D'âge, il y avait des, voilà. Hein? Des tout petits. Donc c'est des lunettes particulières, hein, qui c'est pas des lunettes comme les miennes, hein, c'est vraiment des lunettes avec des verres tout à fait particuliers pour la pathologie exacte qu'ils ont, quoi. Oui, ça a été expliqué qu'ils ont un problème avec leur iris qui n'est pas protégé. Ajouté à ça aussi, ils sont exposés à des problèmes de cancer, du coup ils ont... Voilà. Alors les problèmes de cancer, c'est effectivement les cancers de la peau, hein. Ils ont effectivement, parce qu'ils ne sont pas protégés
je dirais, comme nous, hein, par les couches de mélanocytes. Et donc, ils risquent de faire effectivement des cancers de la peau. Hein. Ce sera peut-être, on réfléchit un petit peu à ce qu'on pourra faire l'année prochaine à ce sujet. Alors, ce n'est pas les enfants qui font ça, c'est les gens, les albinos plus âgés. Hein. C'est avec l'âge que le risque s'accroît. Quoi. Mais donc, à partir d'un certain moment, ce sont des gens qui doivent certainement être surveillés par un dermatologue assez régulièrement pour voir s'il n'apparaît pas des lésions un peu bizarres et un peu suspectes. Hein. Okay. Voilà. Donc c'est les deux problèmes importants. Mais le problème oculaire, et il y a deux problèmes en fait ici. Il y a deux problèmes médicaux, oculaires, cutanés, aussi l'environnement qui... Exactement. Parce que l'environnement est très important. Si l'environnement comprend, la spécificité des problèmes de ces enfants, les choses se passent plutôt bien. Ici au Cameroun... On a, dans certains cas, des opinions un petit peu traditionnelles sur les albinos, oui. Mais on connaît au Cameroun des albinos qui ont très bien réussi. Il y en a beaucoup dans le gouvernement. Beaucoup dans le monde des affaires, même artistiquement, il y en a quelques-uns hein? qui se démarrent. Donc, ce n'est vraiment pas un pays d'Afrique où le problème, des préjugés de sorcellerie, il faut le dire, sont prépondérants. Il y a des pays d'Afrique où c'est très grave, hein? Je ne citerai pas lesquels, mais il y a des pays d'Afrique où ils sont tués et leurs vieux... des bouts de leur corps sont vendus comme porte-chance. Comme gris-gris. Comment ? Comme gris-gris. Exactement. Ce n'est pas du tout le cas au Cameroun. Hein. Oui. Pas du tout, du tout. Il n'empêche que le problème avec leur baisse d'acuité visuelle, c'est sûr que ça les handicape pour faire des études. C'est sûr que ça leur rend la vie beaucoup plus compliquée. C'est sûr que ça leur rend... plus difficile la recherche d'un emploi. C'est clair. Alors, c'est pas de la stigmatisation, mais c'est un fait. Hein? Même si, dans l'assistance, il y avait une juge albinos, il y avait... Madame Défunt. Voilà, exactement. Donc, y en a effectivement qui arrivent très bien à faire leur chemin dans la vie, mais pour beaucoup, c'est très difficile. Et c'est un petit peu pour ça qu'on a souhaité, nous ici, qu'on a souhaité aider cette population et cette communauté. Hein. C'est pour vraiment pouvoir, un, les aider, et deux, leur permettre de s'affirmer en tant que, personnalité tout à fait normale. Hein, donc au travers de l'élection de Miss Albinos et des juniors. Et des juniors, Miss Albinos, Master Albinos et des juniors Albinos. Monsieur Jean-Baptiste, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous prévoyez pour les années prochaines ou encore, je pense que je vous dis, on va essayer de continuer. Approfondir votre... On va essayer de continuer. Maintenant, cette association est bien lancée. Hein. Oui. Elle a maintenant... ses capacités, grâce à Madame Boifaux, hein, il faut la citer, hein, c'est vraiment une personne assez exceptionnelle de dynamisme. Hein. Donc on verra ce qu'on fera c'est l'année prochaine. Moi je pense qu'on va continuer probablement à les aider. Est-ce que ce sera sous la même forme? On va réfléchir. Ce qui est sûr, c'est qu'on réfléchit aux problèmes de dermatologie. Oui. Hein, parce que cette année on a insisté sur l'ophtalmo, l'année prochaine on verra, hein, à dire que leurs problèmes dermatologiques peuvent être évités si très tôt ils commencent, il y a un suivi. C'est ça, donc c'est plus compliqué à organiser, voyez,
Parce que les lunettes, on l'achète une fois, on les met, et puis voilà, quoi. Là, le suivi dermatologique, c'est quelque chose au long cours, qui doit s'organiser sur la vie entière, quoi. Donc, on va réfléchir, on va voir, quoi. Votre mot de fin, monsieur. Comment ? Votre mot de fin, quelque chose à passer, un message à passer ? Eh bien, écoutez, je crois que le message à passer, c'est qu'il faut prendre conscience des handicaps de ces hommes et de ces femmes albinos, hein, et que face à ces handicaps-là, il faut bien avoir conscience que ce sont des personnalités tout à fait normales, hein, parfaitement intelligentes et même quelquefois tout à fait brillantes, hein, et que il faut s'efforcer d'essayer de les aider, hein, notamment en milieu scolaire, et ne pas les mettre de côté à cause de leur handicap, hein. Je sais que certaines personnes que je connais, hein, d'ici, m'ont dit que de temps en temps, quand ils étaient à l'école et qu'il y avait l'albinos qui allait quasiment sur le tableau noir, oui, pour regarder, que ça faisait enrager un petit peu toute la classe. Mais il faut bien comprendre que c'est quelque chose d'important, quoi, que vraiment ces gens-là méritent d'être aidés. Hein. Que d'autre part, ça n'est pas de la faute de qui que ce soit, et notamment pas la faute des mamans, hein. Ça, c'est pour un autre problème. Il y a pas mal d'histoires où la maman est mise de côté par la famille parce qu'elle a mis au monde un albino. Ça, c'est quelque chose qui reste vrai, hein. Le point sociologique doit être vraiment pris en compte et un travail profond doit être fait là-dessus. C'est ça. Donc, c'est vraiment pas la faute de qui que ce soit. C'est comme ça. C'est des transmissions de gènes entre le papa et la maman, c'est des choses qui sont assez imprévisibles, en fait, hein. Et ça n'est vraiment la faute de personne, et en tout cas pas de la maman, quoi, hein, ni de personne, en fait, hein, ni du père, ni de la mère, ni du sorcier du coin, quoi, hein. C'est vraiment un problème tout à fait physique, génétique, hein, de transmission de gènes, un petit peu au hasard, quoi. Voilà. Je vous remercie. Et ben c'est moi qui vous remercie.